Bienvenue dans un nouvel épisode de Simon's Garage. Aujourd'hui, on est à Chartres et je vous propose d'aller découvrir l'univers de Sébastien Lorenz de Lucky Cat Garage. Finalement, mon ambition, c'était de travailler dans le monde de la moto, quoi. Peu importe ce que j'y ferais, tu vois. Et c'était bizarre, quoi, tu vois. Parce que à cette époque-là, tu voulais être mécanicien, c'était pas honteux, enfin, tu vois, il y avait mieux à faire, quoi. Sébastien, je vois plusieurs chats dans ton atelier, t'en as même sur ton logo. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'origine du chat et du nom de ton garage, justement? Ces chats, ça s'appelle des manekineko. Et c'est un chat, en fait, qui est censé être un porte-bonheur. Donc c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les restos asiatiques. C'est ce que j'allais dire, avec la petite patte comme ça, voilà, qui bouge. Alors, dans ce cadre-là, en fait, c'est un chat qui est censé t'amener la prospérité. Moi, c'est pas par rapport à la prospérité, même si j'ai rien contre, tu vois. Mais c'était plutôt par rapport au côté symbole de chance. Bon, à l'époque, c'était... Je vais pas dire qu'il n'y avait pas de répression routière ou qu'il n'y avait pas de policiers sur les routes, mais on pouvait... Bon, évidemment, on était hors la loi, mais on roulait quand même vachement vite, quoi. Dans les Vosges, clairement, tous les dimanches matin, c'était un peu la course, hein. C'était une période un peu épique aussi, tu vois, parce que y avait pas mal de mecs qui se tuaient sur la route, c'était chaud, quoi. Le Lucky Cat, en fait, c'est venu de l'idée que je cherchais une sorte de mascotte. Et que à cette époque-là, et encore aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui a une chance assez inouïe, tu vois, dans la vie. Quand j'ai commencé la moto, j'avais pas les moyens d'aller m'acheter une moto chez un concessionnaire, tu vois. Clairement pas, donc j'avais pas non plus les moyens de m'acheter une moto d'occasion qui fonctionne. Donc ça a commencé en achetant des trucs qui étaient plus ou moins des épaves que j'avais pas non plus les moyens de remonter d'origine. En fait, quand j'y pense, je pense que j'avais pas non plus envie de les remonter d'origine. Donc moi, j'ai commencé à bidouiller des trucs un peu par nécessité, tu vois. Ça m'intéressait plutôt de prendre pas forcément des motos pas chères, tu vois, c'était pas lié au prix, mais des motos que je trouvais intéressantes. J'avais bidouillé un 650 XS qui m'a un peu fait connaître parce que les sorties sur internet et dans quelques magazines. Ouais, elle était rigolote, tu vois. Mais c'était l'époque aussi où... Putain, merde, toutes les motos commençaient à se ressembler, quoi. Et là, j'ai repuisé dans mes souvenirs d'enfance et dans ce qui m'avait plu, tu vois, le lead sled. Typiquement des Mercury ou des Ford, tu vois, début 50. Comment je fais pour faire un lead sled avec une moto? Et un peu par hasard, je tombe sur une BMW qu'on me propose à un prix défiant toute concurrence déjà à l'époque. Moi, je me suis dit, bon, ok, moi je voulais une Guzzi Eldorado, mais après tout, une R75-5, ça peut faire la blague. Là, à la rigueur, c'est même plus drôle parce que ça va pas du tout avec ce que je veux faire. Et je me suis retrouvé à mettre la 75-5 par terre en la rabaissant. Et pour lui donner ce look, tu vois, un peu de luge de plomb, je suis parti sur le carénage poubelle. Voilà, parti pour monter ce truc-là. Une paire de valises à l'arrière pour visuellement aussi descendre, tu vois, la ligne de la moto et puis faire la balance avec le volume, tu vois, de l'avant. Et puis bon an mal an, je vais au premier Wheels & Waves avec cette moto. Et là, tout le monde me dit, ouais, putain, c'est dingue, c'est top, machin. Dans le même temps, j'avais flashé sur un pneu de drague, le MH Race Master, que j'ai acheté juste pour l'avoir. Ça paraît un peu absurde, mais je trouvais ce pneu tellement beau que j'en voulais un, tu vois. Après, je me dis quand même, faudrait que je fasse une moto avec ça, quoi. Et le truc, si tu veux, c'est combiné, tu vois, dans ma tête, où je me dis, voilà, je veux faire une descendante encore plus extrême à cette fameuse BM de route. Pourquoi pas une moto de sprint? Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais une moto de sprint ou un dragster avec une BM, personne ne l'a fait. Donc, c'est certainement pas une bonne idée. Et alors là, je pense que ça a été, genre, une espèce de révélation, parce que je me suis dit, ok, et ben, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai. Et me voilà parti pour faire un dragster ou un sprint bike avec un moteur de BM. Donc après est venu le fameux carénage poubelle, mais version course, donc c'est un carénage super étroit que j'ai trouvé chez AirTech. Et puis l'arrière qui est en contraste, c'est super dépouillé avec juste le pneu qui est un peu mis en valeur et puis le moteur qui est en moitié enchâssé dans le carénage. Et je m'inscris à Glemseck 101 en Allemagne. Et je débarque là-bas avec donc le Sprint Beamer, avec une jambe pétée en ayant fait le couillon une semaine avant. Donc c'est un copain qui m'emmène, qui à la fois a eu la gentillesse de m'emmener, de me faire mes piqûres anti-flébites et de rouler sur la moto. Et on gagne une des courses dans laquelle on est inscrit. Donc c'est beau, hein. C'est peut-être, ouais, le plus beau trophée. Et je dis, paradoxalement,
même si c'est pas la course que moi j'ai gagnée directement. Et là, je me dis, bon, bah ok, il faut faire une V2, quoi, tu vois. Et surtout que moi, la moto, je pas roulé avec, en fait, tu vois. Donc là, sort le carénage avec ce fameux motif avec les flèches que je fais avec un copain, le réservoir avec marqué Who Needs Nine Lives, rapport à, tu vois, au chat et à ses 9 vies. On fait une combinaison assortie. Enfin, on se jette un peu dans le truc à fond. Et là, de nouveau, gros succès, parce que les mecs voilà, sont bluffés par, tu vois, par la peinture qui, techniquement, est super simple. Hein, c'est juste une grosse prise de tête au niveau du pochoir, mais après, il n'y a aucune technicité particulière. C'est noir et c'est gris, tu vois. J'avais vu que les flèches grises, moi. D'accord. Et quand t'as dit non, et en fait, quand t'as dit qu'il était perturbateur, j'ai commencé à regarder. Je fais, mince, c'est vrai qu'il y a d'autres flèches. Ouais. Et j'arrive plus à voir les flèches grises ou les flèches noires. En même temps, ouais. Ouais, mais c'est exactement l'idée. Et d'où c'était venu justement? C'est un truc sur lequel j'ai bossé avec un copain qui s'appelle Benny, en se disant qu'il fallait à la fois perturber les gens qui regardaient le motif, qui est une espèce de, tu vois, une espèce d'illusion d'optique, et en même temps que ça soit graphique et que ça soit évocateur de vitesse, tu vois. C'était une stratégie de déstabilisation de l'adversaire, tu vois. Alors, bon, c'est un peu une blague, hein, mais... Et Fred Krueger me jette un peu à la... Sous forme de blague au début, moi je l'ai pris pour une blague, au fond même qu'il se moquait de moi, tu vois. Il me dit, tu devrais l'inscrire à l'AMD. Et je lui dis, mais c'est quoi l'AMD? Il me dit, bah, c'est le championnat du monde de custom bike. Je sais que je suis pas à ton niveau et tout ça, mais... Enfin merde, te fous quand même pas de moi, tu vois. Il me dit, non, je suis sérieux, je reviens de Glamzac. Je redémonte la moto, je la refais quasiment améliorer plein de finitions et tout, et je la présente au championnat du monde de custom bike. Big surprise, la moto fait deuxième. Vice-champion du monde en rétro-modified. Moi, j'avais pas forcément au départ imaginé ça ou visé ça. Ça part comme une traînée de poudre, tu vois, sur internet, parce que pareil, je pense qu'elle est complètement en dehors des tendances du moment ou complètement. Bizarroïde ou étrange pour plein de gens, tu vois, qui comprennent pas, mais putain, mais ça sert à quoi un truc avec un nez comme ça, un pneu carré, c'est hyper bizarre. Et en 2017, je me dis, voilà, moi j'arrête de rouler dessus et je fais rouler ma partenaire, tu vois. De là naît Bombinette qui est, pour moi, c'est presque une nouvelle machine parce qu'on a gardé le cadre et le moteur, tout le reste a quasiment changé. Et puis l'histoire de la moto, son esthétique, etc. est différente. La moto va plus vite que la version d'avant. Dans l'aventure, tu dis qu'il n'y a pas que toi, il y a aussi Laurence. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait justement? Bah, Laurence, elle est mon premier supporter, mon premier critique. Elle est embarquée avec moi dans cette histoire parce qu'aujourd'hui, elle roule sur la moto. Le championnat de sprint qu'on a créé, elle a joué un rôle super important dedans parce que parce qu'elle m'a aidé tout simplement à le faire. Ben, si tu veux, on construit tous ces trucs-là en confrontant nos idées. Moi, je me suis aperçu que souvent, je partais dans des trucs complètement abracadabrantesques, parfois. Et c'est elle qui te remet un peu sur le chemin. Ouais, et puis elle est d'une certaine manière un peu plus terre-à-terre, tu vois. On a un moteur 1100 qui a l'air de morceaux de différentes années, c'est des culasses de GS, un bas moteur de RS, une boîte de R100R, c'est un cocktail. Alors, un patchwork de pièces de différentes années. Donc tu as dû retravailler à l'intérieur au niveau des pistons, etc. Piston, bielle, soupape, un bracam, basculeur, poussoir, tige de cul-de-bu. Et tout ça tu fais toi-même ou... Alors non, le moteur il a été fait par Edelweiss Motorsport en Allemagne, qui est, je pense, en tout cas en Europe, le meilleur préparateur de moteur de BMW. Il monte jusqu'à 1200 cm3 et la puissance maxi qu'il arrive à obtenir, c'est 130 chevaux, vrai. À partir d'un moteur de combien de chevaux? 70 sur le papier. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et dessus, il y a une suralimentation avec un protoxyde d'azote. Ouais, c'est ce que je vois ici avec la bonbonne, ouais. Voilà, qui amène la puissance pendant quelques secondes à peu près 140 chevaux, quoi, tu vois. Tout ça, tu as dû créer de toutes pièces. Il y a un boulot d'adaptation, mais c'est pas moi qui ai inventé. C'est pas moi qui ai inventé le système, tu vois. Et tu la démarres comment cette moto? Alors elle se démarre que au lanceur. C'est-à-dire que c'est deux rouleaux qui entraînent la roue arrière et tu la démarres comme ça. D'accord, ok, ouais. Il n'y a plus de démarreur électrique, il n'y a plus la couronne du démarreur aussi sur le volant moteur. Bon, ça c'était pour gagner en inertie. Et donc pour gagner du poids, il n'y a plus d'alternateur. La batterie, elle sert juste, elle tient une heure. La position sur la moto aussi qui fait que
quand tu es assis dessus, tu n'es pas trop, donc le centre de gravité global moto plus pilote reste aussi assez bas. Après, on est plutôt allongé alors sur la moto. Ouais, on est assez couché, mais pas trop non plus pour pouvoir garder quand même un bon contrôle de la machine, quoi. Donc elle cabre pas trop, elle patine pas tellement, elle a vraiment du grip. Et on peut vraiment utiliser voilà, les 110, 140 chevaux qu'elle a. Comme il faut. Ouais, au maximum, quoi. Et ça monte jusqu'à combien de kilomètres heure? À 200 mètres, t'es à 100, un petit 180 km heure, quoi. J'organise un championnat de sprint depuis 2 ans, qu'on a appelé Sultan of Sprint, qui est un peu à l'image de moi, d'une certaine manière, mais qui a aussi été possible parce qu'il y avait suffisamment de motos qui se ressemblaient techniquement, pas esthétiquement, mais qui pouvaient concourir les unes contre les autres, en tout cas sur un niveau de performance qui était équivalent, et qui a comme particularité que c'est un championnat dans lequel on récompense évidemment les performances sur la piste, donc sur une accélération de 200 mètres ou de 400 mètres quand on pourra trouver une piste adaptée pour un 400 mètres déparamétré. On récompense aussi la créativité, le style, le sens de la fête, parce que la compétition pure et dure, finalement, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Donc là, plus récemment, on vient juste de la terminer, une BSA avec un carénage poubelle et des valises. Moi, j'ai pas fait la mécanique parce que les BSA, j'y connais rien. La moto, elle était hyper saine. Et le mec qui me demande de bosser sur le sujet m'excite, en fait, avec un truc. C'est qu'il vient me voir en me disant, écoute, voilà, j'ai une BSA Spitfire. La moto, je l'ai repeinte en couleur d'origine, à savoir rouge, mais je n'aime pas le rouge. Donc le mec, il me dit ça, tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah écoute, va voir un psy, enfin, soigne-toi, quoi, mais je peux rien pour toi, tu vois. Et il me dit, voilà, moi, j'aimerais une déco qui casse un peu le rouge et qui soit pas conventionnelle. Donc la deuxième excitation, tu vois. Donc on est parti sur le pied de coque. Alors, normalement c'est bicolore, là on l'a fait de 3 couleurs pour justement casser un peu le rouge, on a mis du blanc. Le propriétaire de la moto est cuisinier, enfin chef, mais le pied de coque c'est ce que tu as sur les pantalons de cuisinier traditionnellement. Après on a gardé plein de trucs d'origine, tu vois, le réservoir, la selle c'était des accessoires d'époque, le feu arrière il est d'origine, la fourche est d'origine, toute la partie qui est d'origine. Pour la remettre d'origine il y a... Trouver les vis, les... Voilà, les décors ici à enlever, les supports de valise, le support de carénage. Ça s'enlève, ça disparaît et tu reviens avec une BSA d'origine. Donc c'était ça qui était amusant en fait sur ce projet-là. Pour moi, c'était d'arriver à faire une transfo qui soit réversible en fait. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ça, ouais. Donc, par exemple, la Yamaha, c'était une autre histoire. Quand j'ai réfléchi à ce projet-là, que je fais avec Yamaha Europe, dès le départ, j'ai essayé de comprendre l'ADN de la machine, puis les emmener sur une histoire où on respecte à la fois l'ADN de la moto et son identité, tu vois. Savoir que c'est une Yamaha 950 volts, ça doit rester une Yamaha 950 volts, et comprise comme ça, même si elle est modifiée. Je voulais emmener l'histoire de cette moto sur la culture populaire japonaise, quoi. Mais moi, le Japon, pour moi, c'est plutôt l'univers des teen toys, tu vois, donc des jouets en tôle emboutie, ce genre de trucs. La Bolt, j'ai un peu imaginé comme une sorte de gosse. Est-ce que je vivrai de ça un jour? Peut-être pas. C'est pas le plus important en fait. C'est pas le plus important parce que pour moi, le plus important, c'est de rester libre. Sébastien, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de Yukicat Garage. Ben, je t'en prie, merci à vous, Martin et Simon, d'être venus nous rendre visite. Avec plaisir. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut !